Hey, salut les mecs, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire des podcasts. Et aujourd'hui, on va faire un podcast sur la ferme du Bel Air avec l'autre abruti. Eh, hey, je sais pas si vous avez remarqué, mais Nico, il sait pas faire d'intro. Il fait des intros tout pétés à chaque fois. Eh, hey, c'est trop marrant. Pouce vert si t'adores les intros pétés. Ah, tu connais pas ça. Eh, hey, tu fais quoi? Eh, hey, laisse-moi tranquille. Eh, hey, laisse-moi, je veux pas leur voir l'autre pétasse là. Non, vas-y, laisse-moi, putain, laisse-moi. Non, les podcasts sur la vie de couple, c'est pas maintenant. Ah là 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 là. Oh, mais j'hallucine. L'autre, il veut me voler la vedette. Un rabbit de bonne facture, je vous jure. Pas facile tous les jours. Oh là là, bon dieu, des beaux dieux. En plus, là, je vous raconte pas si vous me suivez un peu sur Insta. Ils sont en train de ken à côté. Parce qu'on est en train de faire des petits. Oh. Des rabbits. Salut les kids, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la ferme du Bel Air, voilà numéro 9. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. Il y a Borom qui vient m'aider à la ferme, ça c'est carrément cool. Il va continuer les semis d'orge, il va finir les semis même carrément. Et moi pendant ce temps là, bah je vais faire un investissement assez majeur, ça c'est trop bien. Enfin un investissement incroyable dans la ferme du Bel Air. Et donc bah c'est parti tout de suite après l'intro. Oh, ouais, yonk, les heures d'hiver, on sent la fatigue. Je sais pas, les heures d'hiver, ça me donne toujours envie de dormir, c'est un truc de fou. Mais non, bien sûr, c'est un jeu d'acteur. Bienvenue pour ce nouvel épisode du coup sur la ferme du Bel Air. Donc aujourd'hui, normalement, Borom va venir me filer un coup de main dans la ferme. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, concrètement, il me reste à finir de semer l'orge, on va aller voir ça tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite, on va aller faire un tour de plaine, on va aller voir, parce que je me semble qu'il va falloir faire un apport d'azote et un apport, justement, enfin, un traitement contre un herbicide, quoi, parce que je crois qu'il y a des mauvaises herbes qui ont levé dans les parcelles. On va aller voir ça tout de suite, c'est hyper important de vérifier, avec ma petite 4L, voilà, qui reste fidèle à moi-même, bien sûr. Alors déjà on va aller voir, ah ouais, alors attendez, là il, donc du coup ici, donc là il se met de l'orge, hein, c'est prévu, on en avait parlé dans le live justement, qui vous a énormément plu hein, d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours. Et là-bas, ouais, il y a beaucoup de mauvaises herbes ici, on peut voir, donc on va aller faire un traitement d'herbicide ici, seulement dans cette parcelle, parce que elle, si elle part ici peut-être, ouais, dans la fourrière. On va faire la fourrière ici, puis on va faire tout le champ ici, comme ça au moins il y aura pas besoin de repasser après normalement. Après sinon il faudra faire un apport d'azote et d'herbicide une fois que ça sera semé, comme on a fait pour les autres parcelles. Donc on va aller voir tout de suite. Donc le blé a déjà levé, hein. On peut voir qu'il y a eu un stade de passé, on arrive à la fin d'hiver, d'automne pardon. Et oui, j'aurais dû semer l'orge avant le blé, bien sûr, c'est sûr, parce que là du coup il est possible que le blé soit mûr avant l'orge, ce qui est pas très logique dans la réalité. Normalement on moissonne l'orge avant le blé, donc c'est pour ça qu'il y a 2 jours qui se sont passés depuis le semis de blé, parce qu'il a plu entre deux. D'ailleurs c'est pareil, vous avez vu le compte en banque, il a plus de 8 000 €, c'est parce que j'ai fait un maximum de missions en off. Ça m'a permis justement de gagner assez d'argent pour peut-être pouvoir investir dans des silos. On va voir si on investit aujourd'hui dans cet épisode ou pas. Bon, bah, cette parcelle, on peut voir que ça lève plutôt bien. Hein, donc c'est assez propre. Peut-être falloir faire un apport d'azote parce que là, ça fait un peu la gueule. On va regarder ça tout de suite. Et puis, bon, pour ce qui est de l'autre champ ici, donc là, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes. Ah, il y a l'arbre aussi à mettre à. Il y a l'arbre à aller envoyer à la scierie, ce serait bien. Borom devrait pas tarder, je pense. Et puis là-bas, ah bah le voilà. Voilà le Borom. Je vais l'interpeller là. Arrête-toi le Belge! Arrête-toi! Avec sa voiture rose, il me tue. Il est énorme ce mec. Comment va mon petit père? Ça va et toi? Eh bah ça va, écoute. Ça va, t'as la forme? Bah écoute, je faisais un tour de parcelle là justement pour montrer et voir ce qu'il fallait que je fasse concrètement. Et je leur ai dit justement que tu venais m'aider, hein, voilà, parce que t'es un peu comme mon esclave, donc là tu vas aller. ton esclave, c'est ça maintenant, tu suis considéré comme ça, mais merci, vraiment merci. Ah, oh, écoute, c'est comme ça. Non, bah écoute, je te rejoins à la ferme tout de suite, vas-y, j'arrive tout de suite à la ferme. Ça va. Ok. Impeccable. Alors, du coup, ici. Donc là pour ce qui est de cette parcelle, donc on avait semé cette parcelle en blé aussi. Alors au final les 30 tonnes sont plutôt réussies, hein. Je suis pas très déçu au final. Ça va, c'est propre. Voilà, donc ça a pas, c'est beau. Pour le moment les champs sont beaux, hein. On va pas se plaindre. Ça a de la gueule, voilà, y a même pas besoin de mettre d'herbicide, parce qu'on a fait un apport d'herbicide justement au SMI. Et ça vraiment vous voyez que c'est intéressant dans l'avenir. Ici on a le colza qui est plutôt beau gosse, hein. C'est du colza beau gosse, hein, qui fait comme ça. On peut voir qu'il lève plutôt bien aussi. Non franchement je suis très content de mes champs. On s'agrandit quand même pas mal. Ouais, je finis à pied parce que voilà, je suis commencé. On va faire un apport d'azote là, je pense que ça sera intéressant d'en faire un. Voilà. Ok, bon, on va y aller parce que Borom il nous attend. Et puis on a aussi investi dans un autre champ, donc on va passer par l'autre champ justement pour que je vous montre. Et on va y semer du tournesol. Mais ça, on fera ça du coup au printemps, parce que le tournesol se sème en printemps.
C'est le champ qu'il y a juste à côté de la concession. Qui se situe ici, le champ numéro 13, voilà. Oh, il est dégueulasse, hein. Ils mettent un coup d'herbicide aussi, comme ça. On va pouvoir le labourer, je pense. Je crois qu'il est à labourer, hein, il me semble. On va aller voir ça. Et puis pour ce qui est de la batteuse, donc vous étiez nombreux à me dire change ta batteuse, tout ça. Donc on va finir cette campagne avec cette batteuse et on va essayer d'investir dans une nouvelle batteuse après. Mais d'abord, j'ai l'investissement dans des silos qui serait vraiment intéressant de faire. Voilà. Ah. Alors, monsieur Borum. Monsieur Nico, enfin bah, madame, monsieur, je sais pas, pardon. Je vais aller me faire foutre. Non, bah du coup, tu vas prendre le tracteur là, et puis tu vas aller semer l'orge. Et je vais t'expliquer à la parcelle comment tu sèmes pour faire les 30 tonnes. Bah, tu sais faire au pire, je suis con. Ah. Non. Oui. Tu sais faire. Faut juste que tu me dises combien je dois faire de 30 tonnes pour les combien de mines. Alors, c'est un semoir en 3 mètres. Le pulvé est en 12 mètres, il me semble. Donc t'as, tu fais mètres, le calcul. Ça fait 6 mètres. Ça fait tous les. Tu fais 3 mètres. En gros, tu fais 3 mètres, un aller-retour, et tu croises le troisième. Mon cerveau il a fait erreur système. Non, non, mais j'ai vu ça. Le mec Attends, a bugué. Non, du coup, je fais une Donc ligne tu fais une avec ligne, les 30 tonnes. Tu fais une ligne, tu refais une ligne en montant sans les 30 tonnes. Okay, et la troisième ligne, en fait, tonnes. Tu croises la dernière que t'as faite. Je croise la dernière que j'ai faite. Au pire, je vais te montrer l'allée. On va aller faire ça. On va remplir le semoir si tu veux. Tu peux mettre un big bag dedans. Oui. Alors je vais sortir. Attends, je vais faire chauffer le vieux coucou là parce que en vrai c'est un super. Alors écoute, je suis très content d'avoir mis ce tracteur sur le semoir du coup parce que c'était chaud avec les. Tu te rappelles? Attends, je vais déplier ton bazar. Vas-y, vas-y. Oh, puis je vais le mettre de là. De quoi? De quoi que t'avais galéré? Ah oui, avec oui. Oui, bah oui. Oui. Ah bah oui, exactement. Bah, oui. Tout à fait, tout exact. À fait. Mmh, mais oui, mais j'aurais pas dit mieux. Alors, bien sûr, ça, bien je te sûr. Détache. Il est où ton. Là, regarde ici, là, t'enlèves pas. Je vais te l'approcher. Ah, j'avais pas vu, pardon. Hein. Ah, bah écoute, on n'a pas les idées. Enfin, on n'a pas les lumières à tout. Oh, je sais plus comment on dit. Ok. On n'a pas la lumière à tous les étages, c'est ça que je voulais dire. Oh là là, c'est pas facile. Oui. Allez, vas-y. Attelle-moi ça. Vas-y. Non, je crois que c'est toi qu'il faut que tu le fasses en cabine, celui-là. Ah oui, c'est moi qui dois l'atteler, celui-là. Ah ouais. Vas-y, vas-y. Bah, je l'ai plus. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais Brice n'est pas là pour cet épisode. Il avait autre chose à faire. Voilà, et là, du coup, avance. Nickel, ça mon titi, vas-y. C'est fou, hein. Il y a encore un fond de big bag, on va pouvoir mettre ça directement là-dedans. Ok, du coup, ça je vais te mettre ok. Allez, vas-y. Je te vide ça. Tranquille. Il y a pas de problème, vas-y. Attends, l'ensemble est terrible. Oh, par contre, ça se l'ensemble couvre. L'ensemble est terrifiant. Ça se couvre non, il va pas pleuvoir quand même. Alors, il faut savoir que là, l'orge, il faut le semer à 7 degrés, c'est bon. Je crois. Et il fait oui. 7 degrés. Et il fait 7 degrés. Oui, il va falloir semer ça. Il va falloir semer sa fissa quand même. Parce que qu'on vous explique quand même, hein, on vous explique quand même. Nico dit, bah, je vais passer le temps. Pas de souci, passe le temps. Pas de souci. Sauf qu'il a passé 2 nuits au lieu d'en passer. Oui, je l'aurais dit tout à l'heure. Alors, voilà. Ah là 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 là. Bon, tu me rejoins à la parcelle avec la 4L. Je peux prendre ta 4L. Ça, ouais, je t'autorise. T'as oublié des ballots dans ton coffre. Ah, ça c'est normal, ça vient du désert. D'ailleurs, vidéo 4L Trophy pour ceux qui sont pas au courant, c'est toujours en montage. Voilà, parce qu'il y en a qui me demandent encore sur Insta tout à l'heure. C'est encore en montage, je suis désolé, ça prend du temps, mais c'est juste la plus grosse vidéo que j'aurais jamais fait de ma vie, je pense. Donc je préfère prendre du temps. D'ailleurs, je préfère dire d'avance, la vidéo elle sera copyright, voilà. Parce que c'est pas possible, j'ai tellement utilisé la radio dans mes rushs qu'il y a tellement de musique copyright qui sont passées, je pourrais pas faire autrement. Ok, alors, on va pas commencer par celle 2, on va commencer par celle-là. Donc là, en gros. Attends, je me gare. Ah, je vais changer la culture directement. Sélectionner la semence. Le volant de ta 4L fait deux fois la tête de la surface. Oui, de ma c'est tête. Un peu bizarre. Alors, mets pas les traceurs parce que c'est un peu. Ils sont un peu chiants. Ouais. Sur ce... oui, alors là, oui, tu okay, vois, ouais. Je vais. Ah, j'utilise même pas le volant depuis tout à l'heure quand je joue. Je suis désolé. Oh, c'est pas sérieux, Nico. Le mec a un volant, il n'utilise pas. Ouais, non, c'est vrai. Et les gens disent, pourquoi tu joues pas? Ils vont me dire, ouais, pourquoi tu joues pas avec le volant? Alors, attendez. baisser, voilà. Donc là, en gros, tu fais un aller comme ça. Ouais. Enfin, c'est tellement mieux de jouer avec le volant, mec. Ouais. Oui, bah oui, oui, bah oui. Bah oui, je sais. La logique d'avoir un volant. En plus, je kiffe ce volant, vraiment. Très bon achat. Pour ceux qui veulent savoir la référence, c'est le Trust. Voilà, ça, c'est un arbre. Mais c'est le Trust. Ouais, mec, en même temps, je regardais le volant en même temps. C'est le Trustmaster T150 Wales Racing. Donc, c'est l'édition Ferrari que je trouve vraiment très très propre. Et puis, je suis pas habitué en fait à prendre le volant. C'est pour ça que je l'ai pas pris au début de l'épisode. Mais sinon, c'est carrément stylé. Donc là, tu vois, je fais un aller. Oui. Voilà. Donc là, je le replace pour faire le deuxième aller. J'espère que l'orge, ça va rendre, putain. Après, je vais directement faire un traitement.
Voilà, donc là tu vois que ouais. là c'est un tracteur du coup qui vend du rêve un maximum, on peut voir. Ça change ouais, un homme. Propre, hein. Ça change un homme, tu peux le dire, y a pas de soucis. Ça change un homme. Ça change un homme, effectivement. Voilà, donc du là coup, normalement là, tu t'arrêtes, tu fais année. Les fourrières à la fin normalement, mais bon. Oui, là, normalement, ce que t'as pas fait. Voilà, et là en gros, si tu veux, là j'ai fait un aller, un retour. Oui. Et là du coup, ça fait 6 mètres si t'as bien compté, et mon pulvé fait, oui. fait 12 mètres. Donc oui. tu vas croiser ici, tu vois, là tu vas te mettre le tracteur au milieu. Tu vois là, tu... Et, là, tu okay. baisses, et là tu baisses les 30 tonnes. Donc les 30 tonnes, c'est les baisser, c'est à la souris. D'accord. Ah, c'est à la souris. Ok, ok. Voilà, là tu les baisses et tu oublies pas de les remonter. Et Oui. Alors attends, peut-être que j'ai une connerie. Le mec il connaît pas son bazar. Non, non, parce que j'ai. Comment j'ai. Il y a une abonnée, il me semble. Si c'est pas un, c'est une abonnée qui m'a dit les 30 tonnes, ils sont plus propres si tu sèmes pas. Donc en gros, faut que tu sèmes la longueur. Là, je repasse avec tu, juste tu, les 30 en fait, tu crois, tu croises la longueur sans baisser les 30 tonnes. Ouais. Tu fais la longueur et puis quand tu reviens, bah tu reviens sans semer sur la même longueur avec les 30 okay. tonnes. Ok. T'as compris? D'accord, j'ai compris. Bah, tu vois comme tu fais, mais après, je t'en voudrais pas si tu utilises les 30 tonnes en semant, y'a pas de soucis. Ok. Et tu fais les fourrières à la fin, s'il te plaît. Bah, oui, oui, ce que t'as fait par exemple. Oui. Au pire, j'en aurai respecté. Parce que je te sens oui, pas ça chaud. Va. Ça... Si, si, je suis chaud patate. Chaud d'accord. Patate. Eh bah écoute, c'est parti. Chaud. Moi, je vais aller faire un herbicide. Alors là, bon, bah, ce champ-là, je vais pas le faire là, mais je vais faire un herbicide à côté. Parce que comme tu peux voir, il y a des mauvaises herbes. Il y a quoi à côté? Il y a des mauvaises herbes. Rien. Avant, que tu... pour le côté. Avant que tu sèmes, je vais faire un herbicide. Et je vais aller d'accord. chercher le tonneau. Bon, vas-y, okay, bah bon courage. Bon. Qu'on avance un ouais, petit merci. Peu. Ouais, merci. Ouais, bah de rien, ouais. Ouais, hein. Ah ouais. Bon. Allez, c'est parti. Go. Alors. Bon, allez, c'est parti, le petit père. Ouais, je suis content. Ouais. Et Borom, c'est vraiment cool. Il me rend vachement service. Franchement, je lui rendrai ça un jour. S'il aura besoin de quoi que ce soit, il y a pas de souci. Moi, je serai toujours là. C'est ouf. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, hein. Il tourne pour sa série aussi. Donc, Borom Agri sur sa chaîne, Borom, pour ceux qui connaissent. C'est plus Borom Gaming, hein, c'est Borom tout court. Et oh, il a laissé la porte ouverte, hein, le bouffe. Et il y a aussi Dylan qui tourne normalement sur sa série. Donc là, ça fait quelques épisodes qu'il n'a pas commencé à tourner, donc je ne sais pas s'il va tourner là. Sinon, sa série, c'est SARL AF16 et Yaziro avec ERL du centre. Hein. On n'oublie pas une petite série vraiment propre aussi de son côté. Alors lui, oh, là, on ne tourne vraiment pas ensemble en ce moment, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, bon, n'oubliez pas que c'est un épisode toutes les deux semaines maintenant. Oh, j'ai oublié de dételer ça, voyons. Allez, dételle-toi. Et voilà. Et c'est vraiment stylé parce que du coup, ça fait plusieurs fermes sur la carte. Et je trouve ça génial. Et là, c'est cool, c'est parce qu'on aura bientôt fini les semis de cette première campagne. Et ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, on va atteler le. Il me l'a mis où le pulvé? Il me l'a mis là, super. On va faire un herbicide comme ça. On va voir sinon, peut-être qu'il va faire un apport d'azote avant. Quoi qu'il est en train de semer, faut peut-être mettre de l'herbicide tout de suite. Et on va voir pour les silos aussi dans cet épisode. On va essayer de voir ça pour les silos. Ah, c'est nickel, il reste un fond d'herbicide. Je vais peut-être avoir assez pour traiter ce que j'ai à traiter. Nickel, on va aller faire ça directement. Après, on va vendre la batteuse, on va essayer d'acheter une autre bécane. On va voir ce qu'on peut vendre parce qu'elle va vite être devenir petite. J'arrête pas d'investir là. Et en vrai, c'est cool d'investir parce que du coup, ça permet que ça change et je joue toujours pas au volant. En vrai, il faut que je prenne l'habitude de jouer au volant, c'est un truc de fou. Parce que je préfère en plus, je sais pas pourquoi je le fais pas. Je suis trop habitué au clavier en fait. Mais ça va vite devenir. Ça va vite. Faut que je prenne l'habitude quoi. C'est vrai que c'est pas. Puis là, bah, là j'ai tout préparé pour que. Pourtant il est bien préparé, il est bien. Tout est fait pour. Tous les boutons sont assignés, tout ça, donc ça devrait être bon, mais bon. Voilà, on crame ça là. On n'est pas obligé de suivre à 30 tonnes vu qu'il n'y a rien de semé encore. À la fin du bel air, on n'aime pas les mauvaises herbes, hein, parce que c'est perte de rendement. Hein. Et puis il nous en faut de l'argent, donc ça serait chiant. Allez, nickel. Oh, je sais pas si je vais avoir assez au final pour enlever tout. Voilà, nickel. Bon bah ça c'est bon. Bon, il m'en reste que deux. Peut-être pouvoir faire le bout là où il y a Borom. Juste enlever la mauvaise herbe. Avance Avance. Juste faire le bout là, j'aime pas faire ça mais. Mais avance. Qu'est-ce que tu me veux? Avance. J'arrête pas de dire d'avancer, j'ai un petit bout là que je vais virer. Bim. Ah, c'est ça que tu voulais virer. Ouais, mais il me restait 1%, enfin 2 dans là-dedans. Ok, dit, ok. Autant tout faire. Bon, okay. Fais-moi du beau travail. Hein. Oui. Alors, tu sais très bien que là, du coup. Faut que tu fasses. Là, je dois passer les 30 tonnes. Ouais, tu dois faire 12 mètres. Non, là, non. Parce que tu vas croiser sinon. Non, tu vas croiser sinon. Réfléchis. Oh. Tu. Oui, t'as raison. Faut que tu fasses. Oui, je vais encore en faire. Oui. Là, faut que tu fasses 12 mètres en gros. Entre oui, les 2 30 tonnes, tu dois avoir 12 mètres. Oui. Oui. Voilà. Exact. Non, mais t'as raison. Voilà. Non, mais je t'apprends, ouais, mais je suis ton maître d'apprentissage, y'a pas de soucis, mec. Tu m'apprendras le métier un jour. Ouais, pas de problème. Je vais t'apprendre comment gérer ta propre ferme. Oui, ben ça pourrait être une bonne idée aussi. Ça peut être intéressant. Non, je rigole. Ça peut être intéressant. Les herbicides, c'est bon.
Alors on va regarder les silos tout de suite, voir si on n'investit pas dans des silos. Ça serait stylé en vrai d'investir dans les silos, du coup on bougerait tout là. D'ailleurs les prix, on va regarder ça aussi. Il me semble que, je sais plus si j'ai regardé au début les prix, mais il me semble que c'est pas ouf. Hein. Normalement on est en 7-9, hein. 7-9 ça va être des prix plutôt bien. Oh putain, c'est la fin du 7-9 que là ça commence à être bien. Je vendrai directement à la fin de printemps, hein, en début d'hiver. Faudra vraiment que je me fasse de l'argent. Là je fais des missions, donc j'ai réussi à gagner un peu avec les missions, mais en vrai ça m'aurait plu de gagner plus. Putain, le tournesol ça paye pas, c'est l'enfer. On est vraiment au plus bas, c'est chaud. Et soja, on est comment? On est vraiment bas. Hein. Y'a rien de bien. Bon bah c'est pas grave. Qu'est-ce que je dois faire? On va regarder tout de suite les silos, on a dit, pardon. C'est ça. En silo, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre quoi en silo? Alors, objets plaçables, les objets plaçables, c'est là. Silo. 100 000. Voilà, bim, ça me refroidit de ouf. Il n'y a pas des silos à 8000 balles. Tiens, regardez. Ça, c'est stylé, ça. Capacité de stockage de silos à placer près des silos agricoles. Ah ouais, mais ça, c'est pour augmenter les capacités. Les silos servent à stocker vos cultures à 8200. Ça, c'est bien, ça. Celui-là, il est propre, en vrai. J'allais dire, vous en pensez quoi, mais je suis pas en live. Vraiment, un mec intéressant. Non, en vrai, celui-là, il est propre. Attendez, il y en a encore un plus petit. Bah, celui-là, on l'a regardé. Silos servent à stocker vos cultures. Alors, celui-là, je sais pas du tout si on peut vider dedans. Il me semble que oui. Parce qu'il faut peut-être avoir une trappe. 16 000, 18 000, 180 000, ça c'est cher. 180 000, 15 000, 15 000, ça, ceux-là, ils sont très chers. Celui-là, il va lui, on s'est fait avoir. Une fois zéro, on s'est fait avoir, c'est pas bon. Celui-là, il ne sert à stocker uniquement que les engrais. Et ça, non, pour le moment, j'en ai pas trop besoin. Celui-là, qu'est-ce que c'est à 8 000, là? Celui-là, il sert, je ne pense pas qu'il fait ce que je dois, je pense, faire. Voilà, voilà, non, ça non. Celui-là, par contre, c'est quoi ça? C'est ça, 25 000, c'est trop cher. Non, vraiment, par contre, celui-là, il me hype beaucoup, là. On va voir si on peut vider. Et normalement, on peut vider, hein. Regardez, blé, tout ça. Vous n'avez pas assez d'argent? Non, c'est vrai? Ouais, faut qu'on vende quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Que je trouve un peu de thunes. La broie, 39 balles, ça me sert à rien. La charrue, non. Des chômeurs, non. Ah, non. La tronçonneuse, non. Pour le moment, la tronçonneuse, ça sert pas à grand chose en vrai. 500 balles. Le chargeur, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Il faudrait savoir ce que je pourrais vendre. Là, il me faudrait faire un peu d'argent. Sinon, on va faire une mission, les gars. On va faire une mission. Ça vous plairait ou pas de faire une mission? Ouais, je pense que oui. Vous allez dire oui. Vous êtes chaud, de toute façon. On va aller faire une petite mission histoire de justement pouvoir me faire un petit peu d'argent par rapport à ce qui me manque. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme mission de bien à faire? Oh, épandage d'engrais. Par contre, je vais pas me saouler la vie. Je vais directement... Alors, attendez, parce que ça a changé depuis la dernière fois. Je vais emprunter les objets. Tout simplement parce que j'ai pas envie de me faire chier. Voilà. Et donc là, j'ai directement fait. Donc, c'est le champ numéro 16. Donc, le champ numéro 16, où est-ce qu'il est? Le champ numéro 16, il est derrière Borum. Nickel. Bon, et ben, on est parti. On va aller chercher ça tout de suite. Il est là, le... Derrière Borum, c'est un champ que j'aimerais bien acheter dans l'avenir. Parce qu'il est assez proche de la ferme et ça j'apprécie vraiment. Putain, j'adore mes champs, ils sont beaux. Le mec il kiffe vraiment ce qu'il a fait. Oh, c'est cool. En vrai, ils sont propres les champs. Ah, je suis vraiment très très content de ces champs là. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser le petit... Oh là là, je conduis comme une merde. Et je conduis toujours pas au volant. C'est fou ça, c'est terrible. Vraiment, c'est une habitude qu'il faut prendre, c'est un truc de malade. J'ai pas passé un herbicide là parce qu'au final, je sais pas si ça y a un grand intérêt de passer l'herbicide, sachant qu'on va pas semer avant le printemps. Parce qu'il va encore y avoir plein de mauvaises herbes qui vont pousser dans l'hiver. Par contre, je m'améliore vachement dans les tournants. Et faut que j'achète une boule pour le volant, ce serait stylé. Je sais qu'ils en vendent en concessionnaire. À côté de chez moi, il y en a un qui. Donc je pourrais essayer de trouver une boule. Maintenant, ça dépend si ça coûte cher. En vrai, ce serait marrant si t'as une boule sur mon volant. Oh, le matériel de ouf. Par contre, il faut que je loue le. Il est déjà pré-rempli, tu vous pensez? Je crois pas. Hein. C'est stylé, ça change un peu de voir ça sur la ferme du Bel Air, vraiment. Garer ça là. Ah, un petit massé là, des familles. Il est trop propre en vrai. Ouais, je m'achète ça dans l'avenir. Je suis très massé en plus. J'ai bossé chez Massé pendant 2 ans, donc c'est cool. Enfin, chez Massé dans un concessionnaire Massé quoi. Et on avait des petits tracteurs comme ça. Alors, c'était beaucoup les maraîchers qui avaient ça comme tracteur en règle générale. Non, mais je le trouve très propre ce petit massé. Sous-côté. Voilà. Atteler la masse. La masse de base du jeu. Alors, normalement, il faut que je descende pour l'atteler, je crois. Voilà. Et on va atteler aussi. Alors, on va relever directement ça. On va atteler aussi l'épandeur. Voilà. Bon, après, je perds un peu d'argent en louant ces outils-là, mais tant pis, quoi. Je veux dire, après, c'est 900 balles, c'est quand même... En plus, j'ai pas le semoir à engrais. J'ai pas de semoir à engrais, il me semble. Non, j'ai pas de semoir à engrais. Si ? Non, j'ai pas de semoir à engrais. Donc, non, j'aurais pas pu, de toute manière. Voilà. On va mettre le cardan. Est-ce qu'on peut mettre les... Aussi, l'hydraulique, c'est fait. Tout est fait. Bah, écoutez, c'est nickel. Voilà. Alors, on va lever tout.
Nickel. Super, les gyrophares et on est parti. Donc avant, il faut que peut-être que je loue de quoi mettre dans le semoir, parce que là il y a rien de mis, bien sûr. On apprécie, on adore, on aime et on kiffe, hein. On n'oublie pas. On va louer celui-là. Hein. Oh, putain, 1900 balles. 1900 balles. Ah, ça me fait chier là. C'est cher. Attendez, peut... j'en ai pas à la ferme. Oh, Pierre Borum peut pas me dépanner. Ah, ça fait cher en vrai. Je crois que je sais pas si j'en ai à la ferme. On va aller voir. Sinon, je vais aller directement voir Borob et puis je vais faire la mission. De toute façon, je la ferai en accéléré pour que ce soit trop chiant pour vous. Après, remarquez, c'est un petit champ. 1900 balles, putain, mais c'est plus que le prix de la. Oh non, ça fait cher. Mais ça louait pas le sac aussi avec. Je suis vachement étonné quand même. Parce que bon, ça fait quand même relativement cher là. Un peu mal au cul quand même. Oh putain, si je demande à Borob, ça va être chaud. Ah, je suis déçu là. Je pensais que ça allait être. C'est de l'engrais, hein, bien sûr, qu'il a demandé le gars. Épandage d'engrais. Tu y vas avec n'importe quel type. Liquide, le. Oh merde, j'ai loué pour rien. En fait, je pouvais largement le faire avec. En liquide. Ah merde, j'ai fait ça trop vite. Bon, je vais demander à Borum maintenant que j'ai loué le matériel. Peut-être que je pourrais gagner. Je vais l'appeler. On va voir ça tout de suite. Alors, attendez, je cherche Borum, bien sûr. Alors. Oui, Borob, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça se passe bien les SMI? Tu me fais pas, tu me foires pas, tu me foires pas tout? Hein? Non, ça va, franchement, ça va. J'entame le champ 2, là. Enfin, j'entame le deuxième champ, du coup. Ah, impeccable, nickel. Ouais. Est-ce que t'as de l'engrais solide chez toi? Oui. Parce qu'en fait, j'ai loué. Je voulais faire une mission parce qu'il me manquait 900 euros pour acheter des silos. Et si, ouais. si tu veux, j'ai fait une mission pour gagner 900 balles. Et j'ai loué le matériel, sauf que j'ai pas d'engrais solide. Et l'engrais solide en palette, ça vaut 1900 euros. Donc je t'en prendrai un petit peu pour faire le champ, et puis voilà quoi. Oui, vas-y, vas-y. Bon, bah, écoute, je vais à ta ferme et je vais chercher ça. J'ai loué un massé pour une case. Ouais. Et puis bah après, bah, je te rembourserai de toute façon. Bah, vu que tu viens m'aider, je vais essayer de te. Je te ferai quelque chose. Je te ferai quelque chose. T'inquiète. Je te ferai. Non, mais genre, je t'aiderai. Je te redevrai ça. Oh, je te redevrai ça quoi, y'a pas de soucis. Ou je te paierai. Ouais, ça marche. Tu me dis combien je te dois. Ça marche, pas de soucis, t'inquiète. Ok, ma couille. Eh ben, on fait comme ça. Ok. Ben, on fait comme ça. Ça marche. Ouais, je vais passer devant le champ avec mon gros massé, là, juste pour. J'ai loué un massé pour le gars, je te vois là-bas. T'as loué quoi? Hein? Ah, t'as loué un. C'est un 7000? Non, ouais. C'est combien? C'est un 5000, je crois. C'est un 5000. Non, je peux pas. Okay. J'ai mal à être au téléphone et au volant en même temps. C'est dur. Ah oui, c'est un 5000. Ben, je vais à ta ferme, je vais prendre ça et puis voilà. Ça marche. Merci. Bon, allez, à tout à l'heure. À plus tard. De rien. À tout à l'heure. Ah, mais gab. Bon, bah écoutez, ça se goupille bien. J'espère pouvoir prendre le big bag. Par contre, c'est vraiment trop stylé, vraiment, de conduire comme ça. Hein. Je trouve c'est stylé. Puis ce tracteur est vraiment propre à l'intérieur. Petite location. J'aimerais bien que ça devienne un achat futur, en vrai. Ça serait stylé. Bon, bref, je pense qu'il est un peu cher. Et il y en a beaucoup qui me disent, ouais, t'évolues pas beaucoup sur la ferme du Bel Air, tu stagnes. En attendant, c'est assez vraisemblable à la réalité. Hein. Dans la réalité, tu changes pas de tracteur tous les 4 matins. Et bah là c'est exactement pareil dans la ferme du Bel Air, on évolue lentement mais en fonction de la réalité, voilà. Et donc j'ai eu un compte en banque qui est pas folichon, mais croyez pas que quand on commence dans l'agriculture on roule sur l'or, hein. Donc c'est un peu ce que je veux refléter à travers une série farming. Et moi j'aime bien, voilà, la location c'est pour se faire un peu plaisir, du coup ça arrive que parfois on peut louer du matériel pour des essais. On peut dire que par exemple c'est la concession qui nous propose en démo ce tracteur, qui est quand même super stylé, hein, faut pas se le dire. C'est un 5006 pour ceux qui... poser la question peut-être. Voilà, hop. En vrai, chez Borum. Borum, il habite à l'autre coin de la map, donc c'est pas évident. Dans le trou du cul du monde, je voulais dire. Ah, Pekam, nous voilà arrivés à destination. Alors, je sais pas trop où est-ce qu'il a mis ça. C'est marrant parce que Borum, bah, chez moi, et là, je suis chez lui. Excellent. Non, je sais pas trop où il la range. Il doit la ranger par là-bas, j'imagine. Où est-ce qu'il range son big... Ah, c'est derrière. Putain, c'est derrière tout. Il va falloir que je prenne un de ses tracteurs pour décaler son semoir. Voilà, au pire, je vais essayer de le décaler à la main, ça devrait pas être trop compliqué. C'est ça, hein? Non, ça c'est de la chaux. Il a pas de. C'est quoi ça? C'est du fertilisant, c'est ça. On va décaler le big bag là, impeccable. On va le mettre ici, comme ça c'est pas très réaliste, ça je suis désolé, mais bon. Voilà, alors, on va reculer ça. Normalement, il faudrait même le mettre directement dans la trémie, mais là. On va directement, je vais lui prendre, pour faire le champ, je sais pas combien il faudrait.
On va se mettre à 50%. Au pire, ce qui reste, je mettrai. On va mettre tout le big bag. Comme ça, ce qui reste, je le. Ouais, voilà, 62. Et ce qui reste, je lui redonnerai. Et je lui rachèterai un big bag plus tard. Pour le moment, c'est vrai que pour se dépanner, c'est pas évident. Bon, allez, on se retrouve tout de suite à la ferme pour tout de suite la petite session accélérée dans le champ. Me voilà arrivé à destination. Est-ce que le borom a fait les 30 tonnes comme. Ah, il l'a pas totalement. Non, il l'a pas totalement fait comme j'aurais voulu qu'il le fasse. Bon, bah, c'est pas grave. Au pire, les bouts. Je les referai. Oh là, attention, j'ai agressé le micro. Non, mais je ferai juste le bout. Mais sinon, c'est propre, hein. Sinon, par contre, le reste du champ est vraiment très propre. Il a vraiment géré. Non, non, franchement, chapeau bas, borom. Chapeau bas. Il y a juste le bout là-bas, peut-être refaire un 30 tonnes en travers, hein, bien sûr, comme il l'a fait là. Mais non, c'est clean. C'est clean, c'est clean. Bon, il est là, il a bientôt fini là. Nickel. Bah, moi, je vais. Donc, c'est quel champ on va faire normalement? C'est le 16, hein, on est d'accord. Donc, le 16, c'est quel champ? C'est le champ qui est en face de moi. Ouais, totalement. Allez, c'est parti. Bon, bah, on va faire ça tranquillement. Terminé. Bon bah impeccable. Bon bah je vais vider le big bag là, je vais le mettre à la ferme, je le ramènerai à Borom. Vous me ferez penser hein, qu'il faut que je ramène à Borom. Ah, ramène le big bag à Borom. Pas de souci. Bon. Ouais, je suis content là, vraiment il gère de ouf le petit père. Vraiment, c'est un bon ouvrier, c'est une belle bête. Pour un belge, c'est cool. Bah nickel. Ça je vais ramener, bah, je vais pas le ramener, je vais directement le enfin si je vais le ramener à la concession quand même. On va faire RP parce que bah, de toute façon, il y a le pas le C15 mais la 4L à aller chercher. Alors on va vider ça ici à la ferme, je vais mettre ça là et puis de toute façon, il va falloir que je vide le hangar. Donc je sais pas si je vais placer tout de suite le silo. Ah, faut que je vide tout le hangar. Oh, ça va être long. Pire, je ferai ça en accéléré, vous inquiétez pas. F1 machin, décharger I, voilà. Ah oui, ça fait deux big bags. Ouais, parce que les gros, ils font d'accord. Bon bah je dois ces deux big bags à Borom, on n'oubliera pas. Et je ramène ça tout de suite à la concession. On va se mettre en vue intérieure parce que c'est propre, voilà. J'aime trop ma petite ferme, vraiment je suis trop trop fan de ma petite ferme. D'ailleurs j'avais fait un sondage il y a quelques jours par rapport à ce chemin là. Est-ce qu'on le vire? Vous le dites pour la prochaine campagne, est-ce qu'on le vire? Est-ce qu'on fait un grand champ? Après ça ne nous empêchera pas qu'on passe par la route pour passer à la ferme à droite là-bas dans le fond. D'ailleurs Brice est chez lui, on voit la voiture ici directement. Je passais par là d'ailleurs. Donc là, c'est la voiture de Brice. Hein. Il habite ici, Brice. Hein. On n'oublie pas. Quand il n'est pas là, bah, il est chez lui. Non, là, vraiment, il pouvait pas. Il était occupé. Voilà. Allez, on passe ici. Ah, mes champs, là, je suis très content de moi. Là, ils sont très propres. Par contre, il y a pas mal d'arbres aux abords de la parcelle. Je sais pas si on les gardera. Oh, je pense que il y a certains arbres on gardera. Mais il y a des arbres qui sont vraiment embêtants. Donc, on va éviter de les garder dans l'avenir. Hein. N'oubliez pas aussi également que demain soir, je suis en live sur cette série normalement, sans problème. En plus, oui, bah oui, demain, oui, c'est sûr, parce que c'est un jour férié. Gros live, je pense, demain. Dernier jour férié. Et puis, voilà, après, bon, on repart sur un épisode dans deux semaines, du coup. On n'oublie pas que maintenant, c'est toutes les deux semaines, la ferme du Bel Air. Donc là, je vais obtenir mes sous, voilà, et le tracteur a disparu. Nickel. Bon, on va tout de suite aller voir ce que l'on peut faire pour placer le silo. Donc, pour placer le silo, j'aimerais bien le faire. Alors, déjà, je veux juste voir un truc. Dès que je vais le placer, est-ce que ça passe sous le hangar? S'il passe pas sous le hangar, on le mettra en extérieur du coup. C'est lui. Voilà. Oh, il est petit, j'ai l'impression. Il est petit, puis. Oh non, c'est propre. Alors, est-ce que je peux le placer? J'adore la vue, hein, de, la vue de haut avec ça. Est-ce qu'il est pas trop grand si je le place là? Ah non, il est tout petit. Ah bah nickel. Par contre, j'espère que je peux vider. Normalement, je peux vider avec les trappes directement sur le. Là. Ça fait bizarre en vrai. Non mais c'est stylé, faudrait que je le place là. Donc j'ai juste un tas à bouger en fait. Donc là faut que je fasse W. Faut que je bouge juste ces deux tas là, la coupe de la bécane et puis le tracteur. Ok, bon, on va faire ça tout de suite. Allez, on retourne à la ferme tout de suite. Et puis on va pouvoir faire ça tranquillement. Impeccable. Bon, alors on va pousser ça. Voilà. On va le démarrer, ça serait bien aussi. Normalement je peux le démarrer ici si j'appuie là. Alors ça c'est le klaxon. Là je peux, ah ouais mais j'avais le bouton assigné. Voilà, je le savais, je le savais, c'est bon, calmez-vous. Je rigole. Allez, on va placer ça là-bas. Voilà, ça j'adore ce petit Ford là avec ce petit déchaumeur là de ouf. Voilà, ok, nickel. La bécane, alors on va dételer la coupe ici. Voilà, alors je vais me mettre en vue comme ça parce que ça va être compliqué de reculer. J'ai mis le tracteur derrière, j'ai pas été forcément, comme dirait l'autre, très intelligent. Ça m'arrive parfois d'être con comme ça. Ça se joue au millimètre là. Ah bah j'ai quand même agrippé le poteau. Ouais, ça passe normalement, voilà. Bon, je suis un peu monté sur le poteau, mais c'est des poteaux solides, hein. Ça a été fait dans les années 70. Y a pas de soucis, c'est du bon béton.
En vrai, ces hangars-là, dans la réalité, ça tenait tellement bien. C'est dommage que maintenant ils font des trucs en tôle qui sont pas géniaux. Ah, Abraham qui m'appelle. On va voir ça tout de suite. Ouais, mon petit père. Allô. Oui. Ouais. Ouais, dis, j'ai fini tes soumis dans 5 minutes là. D'accord. Après, je dois retourner parce que j'ai des trucs à faire à la ferme. Ouais, pas de soucis. Je te le redépose chez toi, du coup, le tracteur et tout ça. Ouais, viens le déposer chez moi, y'a pas de soucis. Tu le ramènes à la ferme et puis tu pars, y'a pas de problème. Et merci en tout cas. Okay, non, et moi, je viendrai te ramener deux big bags d'engrais solides que j'ai pas tout utilisé. Ouais. Je te les ramènerai en live demain. Ouais, pas de soucis, ça marche, t'inquiète. Ok, ma poule, on fait comme ça. Bah, merci en tout cas d'être venu, c'était cool. Bah, de rien. Écoute, avec plaisir, c'est normal. Et puis ça s'est bien fait du coup, sinon le semi. Ouais, franchement, ça va. Ça s'est fait tranquillement là. J'ai compris ton système. Donc, impeccable. On fait comme ça, y'a pas de soucis. Merci Borom. On fait comme ça, ça marche. Ouais, bah de rien. Et bah à plus tard. Écoute, bon travail. Merci, salut. Bon travail, allez, à plus tard. Salut. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon bah mon orge, mes semis d'hiver sont terminés. Voilà. Si j'ai pas Brice, mon ouvrier, et bah j'ai Borom. Voilà, c'est cool. Non, mais en vrai, je suis content que Borom vienne m'aider de temps en temps, ça fait super plaisir. Faudrait que je fasse ça pour lui aussi. Bon, après, il m'appelle pas, il a pas forcément besoin de moi, c'est vrai. Mais moi, là, c'est vrai que ça me dégage du temps pour faire autre chose. Parce que j'ai pas mal de choses à faire. Allez, nickel. Est-ce que là, normalement, j'ai assigné cette touche pour atteler et ça marche pas. Ça, c'est les phares. Bon, atteler comme ça. Je la rassignerai, peut-être que je m'y prends mal. Ah, j'ai trop hâte de moissonner avec ce volant, c'est ouf. Les rétros, il n'y en a pas sur cette bécane. Ah, c'est dommage. Bon, on recule à l'aveuglette. Et on va remplir. Ah ouais, mais du coup, je vais décaler les tas. On va décaler le tas directement au sol. Là, on le dégagera juste après, juste pour pouvoir placer le silo. Donc, il va falloir que je prenne justement. Il va falloir que je prenne le godet. D'ailleurs, je sais pas où il est le godet. Il me semble qu'il doit pas être très très loin. Est-ce que ça passe là? Ça a l'air de passer. Non, ça passe pas. Bon, bah, je vais laisser la bécane là. Je rangerai ça tout de suite après. Voilà. Le godet. Where is the godet? Where is the godet? Où est le godet? Ça, c'est une bonne question. Où est le godet? Ah, il est là-bas, putain. Enfin, j'allais le chercher par contre. Là où il est placé, c'est chaud. En vrai, c'est très très chaud là où il est placé. Yes. On va pouvoir essayer d'aller le prendre. J'appuie ici. Je vais laisser le pulvé derrière, il gêne pas. C'est pas comme un pulvé traîné où tu pourrais t'embêter pour aller le chercher. Là, c'est pas trop mal. Ouais, bon, c'est pas très réaliste ce que je viens de faire, mais bon, en même temps, faut tout redécaler, c'est chiant. Voilà, il y a Borom qui arrive là. Nickel. Impeccable. Bon, alors là, je peux pas mettre tout dans la benne, tout simplement parce qu'elle est déjà pleine de tournesol. Et puis, bon, il est parti. Il va partir avec sa porte ouverte, tu vas voir. Nickel. Oh là là là. Bon, bah, s'il laisse sa porte ouverte, en tout cas. Non, c'est bon. Il laisse pas ouverte. Il est pas trop fou. Ouais, salut Borom. Voilà. Je peux même appuyer sur le volant. Impeccable. Bon, allez, on va déplacer ça. C'est temporaire, hein, vous inquiétez pas, je vais tout ramasser ça très vite, mais c'est parce que voilà, je vais placer mon silo là. Donc on est parti pour placer un silo. Voilà. Au fait, on a déjà remboursé notre prêt, hein, rappelez-vous, dans un live précédent. Je sais déjà plus lequel c'est, mais je sais que j'ai déjà remboursé le prêt pour cette campagne là.
On va placer ça tout de suite. Alors attendez, je sais pas comment ça marche. Je n'ai pas trop l'habitude de passer A et E. On va pas se mettre comme ça, bien sûr. On va se mettre dans l'autre sens. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai fait une dalle hein, pour pas que ça soit trop dégueulasse au sol. Ensuite, il faut que je tourne, faire pivoter. Voilà. Donc, normalement, si j'ai bien compris le truc, je peux vider là-dedans. Nickel. Voilà, il est placé. Bon, j'espère que ça va être bien. Normalement je peux vider là-dedans avec une trappe. Donc là bien sûr bon bah c'est le premier silo que je place donc c'est pas terrible dans la en vrai. Mais oh putain je l'ai mis un peu dehors. Bon c'est pas grave. Mais en gros normalement je devrais pouvoir vider là. Là je vais prendre un petit peu de. Bon j'ai pris de l'orge plus que du soja. Je voulais prendre mais bon c'est pas grave. Je vais prendre ça pour voir si je peux vider dans le silo justement. Normalement j'aimerais bien justement. J'aimerais bien parce que c'est des silos pas très chers. Oh là je recule dans mes cultures. C'est des silos pas très chers, j'espère que ça fonctionne parce que sinon ça veut dire que j'aurais tout fait tout ça pour rien. Voilà. Mais bon, pour commencer, ça serait bien que ça marche là, vraiment. Ça me plairait beaucoup. Ça se trouve, je fais un truc qui a rien à voir, c'est totalement nul. Ouais, ça marche. Non, c'est trop bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il va falloir que je vide au godet. Parce que je suis pas sûr qu'avec la benne ça fonctionne. On va regarder ça tout de suite, justement. Puis après, on va se laisser là parce que ça fera déjà un très bel épisode. Là, je vois 50 minutes d'enregistrement. Bien sûr, il y aura des cuts, hein, donc ça fera moins pour vous. Mais pour moi, je trouve que c'est un très bel épisode. Maintenant, vu que les épisodes c'est toutes les 2 semaines, je me dis pourquoi pas qu'ils soient plus longs, quoi. Ça pourrait être bien. Et dites-moi si vous voulez qu'ils soient un peu plus longs. Mais bon, je pense que des épisodes d'une demi-heure, c'est bien. Vous aimez pas que ce soit souvent trop plus. Est-ce qu'il va me capter? Le fait que je peux vider ici. Si je peux, vraiment, c'est stylé. Maintenant, j'aurais préféré avoir une fosse. Mais bon, c'est déjà pas mal. Pour commencer... Ouais, ça marche, putain. Oh, je suis trop content. Ah, attendez, j'appuie sur I. Ah, non, mais alors ça, c'est le feu. Putain, les gars, on a notre silo, quoi. On a notre silo. Alors, c'est vrai que là, ça aurait été mieux d'ouvrir à la trappe. Mais bon, on a notre silo. Voilà, le petit silo du seigneur, comme dirait l'autre. Par contre, je peux pas tout vider dedans, si. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait une très grande capacité. Mais là, du coup, il devrait être là. Ouais, putain, je suis trop content. Ça traînera plus au sol. Yes! Ah, oh, je suis content! Ah non, vraiment, je suis content. Vraiment, je suis très, très heureux. Donc, je placerai le reste avec vous en live directement. Tout ce qu'il y a là. C'est vrai que c'est dégueulasse d'avoir posé ça au sol. Mais je ferai ça en live avec vous. Et puis, on va s'arrêter sur ce bel achat. Voilà, un très bel achat, ce silo. Attendez, je vais me mettre là directement en face de lui parce qu'il est quand même beau gosse. Hein. Petit silo pour commencer. Alors, c'est bizarre de mettre tout dans ce silo. Hein, parce que c'est pas logique en vrai. Mais bon, voilà. C'est histoire de se dire on stocke plus au sol. On stocke directement dans un silo. Et bah, ça fera un beau petit épisode là. Ça fait super plaisir. J'en ai enfin investi dans un silo. Regardez-le comme il est beau gosse le silo. Il est là. Regardez, il est trop beau. Il est magnifique. Ça fait un bel achat. Voilà. Donc, on se retrouve avec 650 balles sur compte en banque. Mais bon, voilà. On a quand même avancé. On va enfin pouvoir stocker les cultures dans quelque chose de propre plutôt que ça soit l'air libre. Parce que c'est pas terrible en vrai. Même dans la réalité, c'est vraiment pas terrible. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode jusque-là. Et ça m'a fait vraiment kiffer de tourner cet épisode. Même si on n'a pas non plus fait 600 choses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous fait plaisir. En tout cas, merci à tous d'être toujours là. Vous êtes bientôt 13 000 si ce n'est pas déjà passé à l'heure actuelle. Et moi je vous donne rendez-vous demain soir pour un live sur la fin du Bel Air. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos de Borom, de Dylan et de Zero qui ont tourné également sur la série. Peut-être pas en même temps que nous actuellement avec Borom, mais en tout cas ils vont tourner pour leur série. Et d'ici là portez-vous bien, faites très attention à vous. C'était Nico, ciao ciao.